Et bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui sur la bêta de Ghost Recon Breakpoint, bêta ouverte. On est sur Xbox One X, donc je vais baisser un tout petit peu le gain du micro. Je m'excuse d'avance, j'ai la gorge un petit peu en feu. J'ai arrangé mon nez au maximum avant de commencer aussi, parce que lui c'est pareil, il va pas très bien. Maintenant, la gorge ça devrait aller, même si elle est pas en forme, ça devrait le faire. Ah, ouais, on y va. Ouais. Ok. C'est quoi ça? Bon, on va faire ça. On verra bien. On va laisser en standard. On va voir ce que ça donne. Donc on va tester cette bêta. Je pense pas que je prendrai le jeu, donc je vous ferai certainement pas de vidéo sur le jeu final. Parce que j'ai d'autres choses prévues sur le mois d'octobre et le mois de novembre. Et il faut faire des choix à un moment donné. Faut avoir le temps déjà d'y jouer, parce que ça c'est un jeu qui prend beaucoup de temps. Et il faut avoir le temps de bosser sur la vidéo, faut avoir le temps, donc voilà. Il faut faire des choix aussi par rapport aux finances. Donc j'ai d'autres priorités sur ce mois d'octobre et de novembre. Maintenant, je pense que je le prendrai plus tard. Le précédent, le Wildlands, je l'ai acheté plus tard. Je l'avais acheté 20 balles, je crois. Bienvenue sur Aurora, l'incubateur du monde 2.0. Je m'appelle Jace Skell et nous vous attendions. Si vous avez été invité ici, c'est pour innover et créer. Mais nous avons aussi une autre tâche à vous confier, la plus importante de votre vie. Ici, à l'écart du monde, nous créerons les outils destinés à entraîner la planète dans l'avenir. Une économie durable, un environnement florissant, des foyers sûrs pour vous et votre famille, et une communauté qui célèbre l'innovation. Les générations suivantes oublieront peut-être notre existence. Pourtant, c'est grâce à notre travail qu'elles prospéreront. Merci d'avoir rejoint Skelltech sur Aurora. C'est toujours grand l'avenir. Ah, j'ai galéré un petit peu avec le micro. Il fallait pas se remettre en route. On va aller voir dans personnaliser. Ouais, on va... Excusez-moi. On va laisser comme ça. Et voir un petit peu. Obligé de lui faire des cicatrices sur la gueule comme ça. Terrible, hein. Bon, ça a pas l'air ouf la personnalisation. Ouais, on peut pas enlever. Allez, on y va.
Bon, il y a moyen de personnaliser un peu, mais vous l'avez vu, c'est pas non plus la folie. Petit salopard. Putain. Par contre, il y a des pops de texture là. Je sais pas si c'est parce que j'ai choisi le mode résolution ou quoi. N'est pas en très bon état. Hein. Bon, en même temps, on devrait être mort là. J'espère qu'on va pouvoir jouer un petit peu histoire de voir au moins le début, une bonne demi-heure, comme d'hab. On peut se soigner avec des bandages et tout. Ah, par contre, quand on fait ça, il faut faire ça dans un coin vraiment planqué. Hein. Parce que vous avez vu toutes les blessures que j'avais là. C'était un petit peu long, je vais enlever une oreillette. Parce que je vais la mettre un peu moins dans mon oreille, j'ai l'impression de gueuler. Et comme j'ai la gorge un peu niquée, je peux pas trop me permettre de gueuler. Ah, ok. Là, on a une touche pour sprinter. On va peut-être se dépêcher d'approcher. Bon, ça a l'air... Oh putain. Ça tire là-dedans. Il y a du monde dans ce truc. À mon avis, il n'y a pas que du monde dans ce truc. Pendant 2 secondes, j'ai cru qu'il crèverait jamais. Tais-toi, jeune trop duc. On peut rentrer là-dedans, il n'y a plus personne. Bon,
Des munitions, ok. Excusez-moi. J'essaie de m'éloigner du micro. Ça va être difficile cette vidéo, je le sens. Mais là, par chez moi, là, on a du soleil, mais on a énormément de vent. Et on a eu quelques moments de pluie, là, ces derniers jours. Du coup, on ne sait plus trop comment s'habiller parce qu'on a 20 degrés, mais avec un vent à décorner les bœufs, comme disent certains. Et en même temps, d'un seul coup, on a de la flotte, puis après, on a re du soleil. Enfin, c'est compliqué. Ah, fallait rester appuyé. Ok. Donc du coup, j'ai chopé la mort. Les soldats. Par contre, non, je vais annuler ça. J'ai chopé des équipements là. J'entends un chat gratter. Comme d'hab à chaque fois que je fais une vidéo. Tant pis. Oui, là c'est terminé. Hein. Un mec par terre, les yeux ouverts comme ça. Malheureusement, moi je cours comme ça et tout là. Peut-être se méfier quand même. Hein. Il y a deux connards là-bas. Bon, ce qui est bien, c'est qu'au moins quand on tire, le survivant est dans le coin. Vous relâchez pas. Ils étaient que tous les deux là. Peut-être pas choisi la meilleure approche quand je me suis aventuré vers lui comme ça. Ah oui, donc ça c'est le genre de truc, une casquette, ça va vous protéger des balles. Pourquoi sur la carte, il y a un petit truc de soin là? Ah, c'est de l'autre côté du mur. Bon, après, on est sur le début du jeu, hein. C'est une sorte d'intro, certainement. Ils sont un petit peu plus nombreux là.
Merde. Il m'a touché. Petit salaud. On va pas trop s'approcher parce que... Que visiblement quand on prend des balles ça rigole pas trop quand même. Donc on va essayer de faire attention. Vous savez en plus pour ceux qui me connaissent que la discrétion et la finesse c'est pas ma qualité première. Donc comme ça là on voit qu'on peut améliorer son équipement. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc la bêta elle est ouverte jusqu'au 29, mais bon au moment où je vous ferai cette vidéo elle sera pas fermée évidemment, mais au moment où je la posterai je pense qu'on sera pas loin de la fermeture ou elle sera fermée peut-être. Donc ce sera pas la peine de la chercher. Ils avaient fait une bêta fermée. Il doit bien y avoir quelqu'un. J'avais pas eu le temps vraiment de m'en occuper. Et donc là maintenant, bêta ouverte. Le jeu sort le 4 octobre. Donc, bon, il sort dans pas très longtemps, au pire. Stormcloud, unité, ici Weaver. Répondez à vous. Ici Weaver, répondez à vous. Tu captes ? Que dalle. Contact ! Contact ! Gueule des mecs, qu'est-ce que tu veux faire? Oh les mecs là! Parce qu'il y a des têtes d'acteurs connus hein, dans le jeu. Walker. Pardon, Weaver. Bon. Walker. Qu'est-ce que tu fous, mec? Ah bah là, j'ai pas ce qu'il faut, hein. Merde. Du coup, je vais me tirer d'ici. Il y a du monde partout. Il y a du monde partout, il y a du monde partout. On va essayer de se tirer vite. S'ils sont tous comme les autres là-bas avec un niveau que je peux pas gérer, ben je vais me faire éclater en 2 secondes. Mayday, Mayday. Ici Ghost Leader. 565 Ghost Leader. Qui c'est? Une alliée. J'ai pris la radio sur un ghost. Il est encore en vie ce ghost? Ghost Leader, on peut chasser le lapin blanc. Ou courir avec la reine rouge. Fais-moi un citrep. Ça peut attendre. On est en train de soigner votre collègue. Suivez la piste derrière les anciennes ruines. Votre destination se trouve dans les montagnes, entre 2 cascades. Reçu. Ghost Leader terminé. Bon. Bon, on va y aller.
Ça, on peut le placer ici, celui-là. Après, on peut les modifier, les armes. Donc, il y a des améliorations, tout ça. Ok. Bon, je pense qu'on pourra pas voir ça là. Sont nombreux ces charlots. Si on pouvait gentiment les esquiver, ce serait pas mal. Vous savez, si on pouvait éviter de prendre le risque de crever bêtement, mais que par contre, on pouvait piquer un véhicule. Allez, je me tire avec votre caisse, les gars. Comme dans le premier, hein. On peut prendre les bagnoles. Oh putain. Il y a un barrage de connards là-bas. Écraser un pour le plaisir, j'aime bien faire ça quand j'arrive avec de l'élan, je le rentre dedans. Bon, la destination est assez loin. Il y a des trucs à ramasser, on va y aller quand même. Ça peut toujours servir. Ah, ces crédits, je ne sais pas à quoi ils servent. Par contre, ma bagnole, non, c'est bon. Elle n'est pas descendue à 3 km. Mais non. Oh. C'est pas relou, ça. Plus d'un kilomètre à faire. On va se faire ça tranquillement. Ils ont eu de la chance, eux. Parce que j'en ai pas écrasé un seul. On va se calmer quand même, on va éviter de se casser la gueule du pont. Hop, je n'utilise pas trop le frein à main, j'ai peur. Une petite bestiole courir. Ouais. Il y a des motos. Ça sent pas un petit peu le piège à con quand même. Plus un geste. Qui êtes-vous? J'ai reçu une invite. Et vous êtes qui? Un autre soldat.
Vous pouvez toujours faire demi-tour et redescendre la montagne. On est un peu tendu, ok? Évitez d'agiter votre arme. Pas de tir à Erewhon. C'est quoi, Erewhon? La grotte. On l'appelle comme ça. Entrez. Bon, c'est des gens qui essayent de survivre. Bon, le petit temps de chargement, là, il est un peu long. Ah, ça va. Donc là, on peut rejoindre ou inviter des joueurs pour jouer en coop. Bah, ça, c'est un autre joueur, en fait. Ok. On va regarder un petit peu comment ça se passe. Il y a un joli effet de lumière. Là. Puis je pense qu'on va s'arrêter là. C'est quoi cet endroit? Stylé, hein, quand même, j'avoue. Ils se sont bien installés. Hein. Il y a une boutique, tout ça. Ouais, en fait, c'est le hub central du jeu, quoi. Eh hey les gars, comment ça va? On est les seuls survivants de l'hélico. Pas de radio, pas de drone. À nous deux, on n'a que deux fusils et 8 magasins. Les gens du coin ont de l'eau. Et des provisions. Franchement, c'est dingue ici. Tu trouves pas? Je suis sur le cul. Ouais. Ils sont accueillants, plus ou moins. Même s'ils nous ont à l'œil, forcément. Vous savez ce qui nous a touchés? J'en sais rien. Mais on a clairement des ennemis dans le secteur. J'ai croisé des troupes dans le coin qui se surnommaient les Wolves. Tu sais à qui on a affaire? À moi, pour commencer. C'est toi qui commandes ici? T'es qui, toi? Indicatif nomade. Je suis l'officier supérieur de cette opération. Par opération, tu veux dire ce ratage intégral, j'imagine. Alors, Mads, tout se passe bien? Je cherche à comprendre pourquoi une brochette de soldats nous tombe tout cuit du ciel, chérie. Quelqu'un a coulé un cargo de la Navy au large d'ici. Et puis tout l'archipel d'Oroa a cessé d'émettre. On nous a envoyé tirer tout ça au clair. Et tout d'un coup, nos hélicos se sont fait descendre. J'ai perdu près de la moitié de mes hommes. Autant qu'on sache, il y a eu une sorte de coup d'état militaire. Sentinelle, la société militaire, ils ont placé cet endroit sous la loi martiale. Et ils n'y sont pas allés de main morte pour la faire appliquer. Skelltech produit toujours du matos high-tech sans broncher. Sauf que maintenant, c'est surtout des armes. Ce n'est pas ce que Jeskel et son utopie libertaire nous avaient promis. Où je peux trouver Jeskel? Ah, le chef de Skelltech en personne. On ne l'a jamais vu, mais ses drones espionnent ses îles à sa place. Tu penses qu'il est mêlé à ça? Oui, mais pourquoi? Très bien. Je rajoute ça à ma longue liste de questions en suspens. Où sont nos blessés? Je peux les voir? Oui. Un de vos gars a besoin de repos, mais il n'arrête pas de gueuler. Calmez-le, ok? Ensuite, revenez me voir. Je vous ferai une visite guidée. C'est le bordel, quoi.
Bon, on va aller voir vite fait, puis on s'arrêtera là, je pense. T'as des nouvelles de Samuel ? Non, pas depuis une semaine. Bonjour. Ouais, donc là, on voit d'autres joueurs. Après, je pense qu'il y a moyen de foutre tout ça en privé, voilà, d'être tranquille. Mais en tout cas, ici, on voit les joueurs. Parce qu'après, moi, je suis un sauvage aussi dans les jeux. J'aime bien jouer tranquille, tout seul. Ou avec des potes. Mais pas voir tous les autres joueurs, là. Walt. Hey. Comment ça va, mec ? Nomade. Et qui d'autre ? Qui y est resté ? Allez, détends-toi, ok ? Je fais tout ce que je peux. T'es un putain de super-héros. Ils ont pas changé ça pour le sexe, dis donc. Tiens. Voilà un autre super-pouvoir. Je trouve pas Midas. Mais Weaver... Je veux que tu te reposes. On va s'occuper de tout, ok ? Le Wasp ? Ouais. À cause du blackout, le navire ne répond pas. Je vais parler à Matt Schultz, le grand, là. Peut-être qu'il pourra me prêter un bateau. T'en fais pas. Je reviens avec des renforts. Vas-y. Bon, écoutez. On va s'arrêter là. Je vous ai montré, pour ceux qui voudraient voir, voilà, à quoi ça peut ressembler. Maintenant, pour ceux qui ont fait le premier, je pense que vous serez pas dépaysés, même s'il y a l'air d'y avoir des nouveaux trucs et tout par rapport aux blessures, à la survie, tout ça. Donc voilà. On va s'arrêter là-dessus. En plus, j'ai la gorge qui commence à être morte. Donc je vous remercie. Je vous dis à la prochaine. Salut à toutes et à tous.